for this divine appointment with you. Merci Seigneur pour ce rendez-vous divin avec toi. This moment is a great moment for us. Ce moment est un grand moment pour nous. To receive light from you, O Lord. Afin de recevoir la lumière venant de toi, Père. To receive the truth and being set free in you. Afin de recevoir la vérité et d'être libéré en toi. We pray you to teach us as you have planned. Nous te prions de nous enseigner comme tu l'as planifié. Holy Spirit. Saint-Esprit. Thank you for being with us. Merci d'être avec nous. May you fill this place with your presence. Remplis ce lieu avec ta présence. Glorify God. Glorifie Dieu. In all ways. En tout temps. And giving us to be set free by your teaching. Et permets-nous d'être libérés par tes enseignements. Thank you because you yourself will teach us. Merci parce que toi-même tu nous enseigneras. We expect all from you. Nous attendons de tout venant de toi. Thank you for being present. Merci d'être présent. And leading us in all the truth tonight. Et de nous conduire dans toute ta vérité ce soir. In Jesus' name, we have prayed. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. May the Lord bless you. Que le Seigneur bénisse vous et vous assoie. I have something to share with us. J'ai quelque chose à partager avec nous. According to what we have seen last time we were here. En fonction de ce que nous avons vu la dernière fois que nous étions ici. After all exchange, questions and commentary about what we saw last time. Suite aux questions et sans échange et commentaires de à propos de ce que nous avons vu la dernière fois. I had in my head, in my spirit, one preoccupation. J'ai dans mon cœur, dans mon esprit, une préoccupation. Is according of the kind of the gospel we are supposed to receive. Celle qui concerne le genre de nouvelles, de bonnes nouvelles, le genre d'évangile que nous sommes censés recevoir. The gospel God has sent to us. L'évangile que le Seigneur nous a envoyé is about Jesus. Est au sujet de Jésus. And this means that this gospel is showing us who we are in Christ. Cet évangile nous montre ce que nous sommes en Christ. Let me read first something with you in Romans. Laissez-moi premièrement lire quelque chose avec vous dans Romains. First chapter. Romains 1. We start from the first verse to maybe 4 or 5. Nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'à 4 ou 5. Paul, a bond servant of Jesus Christ, called to be an apostle, subordinated to the gospel of God, which he promised before through his prophets in the Holy Scripture. Concerning his son Jesus Christ, our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Through him, we have received grace and apostleship
for obedience to the faith among all nations for his name, among whom you also are the called of Jesus Christ. Et, yes, you can. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils en tant qu'homme et né de la descendance de David et qui du point de vue de l'Esprit Saint a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. Amen. Amen. Introducing himself, en se présentant, the Apostle Paul is talking and describing the kind of gospel he is called to preach. L'apôtre Paul parle et présente le genre d'évangile qu'il est appelé à prêcher. He said that this gospel concerns Jesus Christ, the Son of God. Il dit que cet évangile concerne Jésus-Christ, le Fils de Dieu. And he is showing two types of the characters of Jesus as a man, son of David, and as a son of God to give us life, a spiritual life. Et il présente Jésus comme étant deux caractères, un comme étant un homme, fils de David, et deux comme étant le fils de Dieu. Jesus was born. Jésus était né as a son of Adam. Comme étant fils d'Adam. Through David. Au travers de David. Because the purpose of his coming in this world, le but de sa venue dans ce monde, was to save us, to deliver us. Était de nous sauver, de nous délivrer. And the way of doing it, et la manière de le faire, was to take our place at the cross. Était par prendre notre place à la croix. To be punished in our place. Être puni à notre place. According to the justice of God, en fonction de la justice de Dieu, Jesus could not die in our place without a real relationship with us. Jésus ne pouvait pas mourir à la croix sans avoir une vraie relation avec nous. Because it is said in the law, parce qu'il est dit dans la loi, the soul who sins is the one who has to die. Que l'âme qui pêche est celle qui doit mourir. The punishment has to fall on the one who has sinned. La punition devrait tomber sur celui qui a péché. And this one had to be the descendants of Adam. Et celui-là devait être la descendance d'Adam. This is why Jesus has born as a man like you and I. Voilà pourquoi Jésus-Christ est né comme un homme comme toi et moi. He took this body. Il a pris ce corps. Mary to become your brother like you and I. Au travers de Marie, afin de devenir ton frère comme toi et moi. So this is why he said here. Voilà donc ce qu'il dit ici. He was the seed of David. Il était la graine de David. La semence de David. Amen. Amen. The seed of David. David, who was also the seed of Adam.
David qui était aussi la semence d'Adam. So by this, alors par cela, Jesus was also the son of Adam. Jésus était également le fils d'Adam. And by his resurrection from death, et par sa résurrection parmi les morts, he rises as a son of God. Il est ressuscité comme étant un, le fils de Dieu. Opening to us the door, nous ouvrons les, la porte, to become children of God by accepting his work at the cross and receiving him in our life. Afin de devenir enfant de Dieu en acceptant son travail à la croix et en devenant enfant de Dieu. So the gospel, alors l'évangile, which we have received, the gospel, la vraie, which is preached, the gospel Paul preached, la vraie évangile, l'évangile que Paul a prêché, is not to receive advantage from God. N'est pas celle de recevoir des avantages venus de Dieu. It's not for being protected. Ce n'est pas celle d'être protégé. To receive some security. Ce n'est pas celle de recevoir certaines sécurités. The gospel has a purpose of giving us salvation. L'évangile a comme but de nous donner le salut. Salvation from the sin. Le salut dans le péché. Our great problem was the sin. Notre grand problème était le péché. The sin gave to the devil to have domination over us. Le péché a donné au diable l'avantage afin de nous dominer. The sin gave to the devil to beat us with sickness and all evil things. Le péché a donné au diable la possibilité de nous frapper avec la maladie et toutes choses démoniaques. So what we were in need, alors ce dont nous avions besoin, was to be saved, était d'être sauvé from the sin, du péché. Because by continuing to sin, parce que en continuant à pécher, the devil had already authority over us. Le diable avait l'autorité sur nous. And he could do whatever he could. Et il pouvait faire tout ce qu'il voulait. God could do nothing because we were condemned. Dieu ne pouvait rien faire parce que nous étions condamnés. He sent Jesus. Il a envoyé Jésus to free us from the devil. Afin de nous libérer du diable. Jesus, by dying at the cross, Jésus en mourant à la croix, according to the plan of God, en fonction du plan de Dieu, the devil had no power, no right over Jesus. Le diable n'avait aucun droit sur Jésus. But as he saw in Jesus a man like all men, who had right to be, mais comme il a vu en Jésus-Christ un homme comme nous, he did not know that Jesus was different. Il ne savait pas que Jésus-Christ était différent. He was son of David, il était and fils also de David, son of God. Mais aussi fils de Dieu. By touching him, en le touchant, he could have the right to touch him as a son of David. Il pouvait avoir le droit de le toucher en tant que like fils de David, all children of Adam, comme tout autre enfant d'Adam. But he had no right mais to touch the son of God. De toucher le fils de Dieu. As a son of God, en tant que fils de Dieu, Jesus was without sin. Jésus-Christ était sans péché. The only thing which were giving to the devil power over man was the sin. La seule chose qui donnait au diable la puissance sur les hommes, c'était le péché. So Jesus was without sin. Jésus-Christ était sans péché. This is why God has planned to send the Lamb of God without sin. Voilà pourquoi Dieu a envoyé l'agneau de Dieu sans péché afin de nous sauver. Amen. Amen. The devil touched Jesus. Le diable a touché à Jésus. By doing this, et en faisant cela,
Jesus said at the cross. Jésus-Christ a dit à la croix. It is finished. Tout est accompli. The devil is condemned. Le diable est condamné. The devil has touched the holiness one. Le diable a touché le saint. Amen. Amen. So we were saved. Alors nous étions sauvés. What I would like to show us is. C'est que j'aimerais vous montrer. By what he did at the c'est cross. C'est parce que Jésus a fait à la croix. We were free even when we did not know what he did at the cross. Même quand nous ne savions pas ce qu'il a fait à la croix. We were saved. Nous étions sauvés. Our salvation started at the cross. Notre salut a commencé à la croix. And what we need was to receive this revelation. Et ce dont nous avions besoin, c'était de recevoir la révélation. This is why he asked to his disciples. Voilà pourquoi il a demandé à ses disciples to go and preach all the nations. D'aller et de prêcher les nations la bonne nouvelle. According to what Paul is saying to Romans. En fonction de ce que Paul dit aux Romains. How could they be saved? Comment pouvait-il être sauvé? If there are no one who preaches. Si il n'y a personne qui prêchait. How could they preach? Comment pouvait-il prêcher? If there are no one called according to what he said in the scripture. Si il n'y avait personne appelé en fonction de ce qui est écrit dans la parole. This is why he called some. Voilà pourquoi il a appelé. And gave them the message. Et il les a donné le message. To go and preach the gospel. D'aller et d'annoncer l'évangile. To show to people this good news. Afin de montrer aux gens la bonne nouvelle. What God has done. Ce que Dieu avait fait. So today. Alors aujourd'hui. There are some mystics who were preached to people. Il y a certaines prédication qui ont été prêchées au peuple. Wrong gospel, une mauvaise évangile qui est prêchée. More in Africa. Beaucoup plus en Afrique. Many never meet Jesus. Plusieurs n'ont jamais rencontré Jésus. They meet some organization. Ils ont rencontré des organisations. Some prophets, some pastors, some apostles. Ils ont rencontré quelques prophètes, quelques pasteurs, quelques apôtres. Them to receive protection. Qui sont venus à eux afin de recevoir la protection. Solution, afin de recevoir des solutions. To receive, I don't know what afin else. De recevoir je ne sais pas quoi d'autre. The gospel. L'évangile. Is concerning Jesus Christ. Concerne Jésus Christ. Who came. Qui est venu. Who died. Qui est mort. Resurrected as a son of God. Et qui est ressuscité comme by un enfant. Spirit of God, par l'Esprit de Dieu to become to us for us afin de venir de the venir, Spirit who is giving life. L'Esprit qui donne la vie. Amen. Amen. The gospel is preached. L'Évangile est prêché to set us free from sin afin de nous libérer du péché because our problem was the sin. Parce que notre problème était le péché. God gave the law to Moses. Dieu a donné la loi à Moïse to show his will to the people afin de montrer sa volonté au peuple. But Moses and the people et Moïse et le peuple had never have power to fulfill the law. N'ont jamais eu la puissance, la possibilité d'accomplir la loi. Because God himself parce knew que Dieu lui-même le savait. He knew that no man could fulfill the law. Il savait que personne, aucun homme ne pouvait accomplir la so loi de Dieu. So the law was given to them. Alors la loi les a été donnée. To help them to know that they need a savior. Afin de les permettre de savoir qu'ils ont besoin d'un sauveur. They were not able to fulfill the law. Ils n'étaient pas capables d'accomplir la loi. They needed God giving them
A savior to allow them to be able to fulfill ils the law. Ils avaient besoin que Dieu leur donne un sauveur afin qu'ils accomplissent la loi. This is why the law was given to voilà us. Voilà pourquoi la loi nous a été donnée. Let us see what Paul himself is saying about the law. Nous allons voir ce que Paul lui-même dit au sujet de la loi. We will read in Romans chapter 7. Nous allons lire dans Romains 7. Let me find where we. Excuse me, not not this. Romans 7. Romains 7. From from 7. À partir du verset 7. What shall we say then? Is the law sin? Certainly no. On the contrary, I would not have known sin except through the law. For I would not have known covetousness unless the law had said, you shall not covet. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais je n'ai pas connu le péché car je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce que la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras point ». But sin taking opportunity by the commandment produced in me all manner of evil desire. For apart from the law, sin was death. Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans la loi, le péché est mort. I was alive also without the law. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. But when the commandment came, mais quand le commandement est venu, sin revived and I died. Le péché a repris vie en moi et je suis mort. And the commandment which was to bring life, I found to bring death. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. For sin taking occasion by the commandment deceived me and by it killed me. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Therefore, ainsi donc, the law is holy, la loi est sainte, and the commandment holy, et le commandement est saint, and just and good. Juste et bon. Let us go to another verse. Nous allons aller dans un autre verset. From 18. À partir du verset 18. For I know that en effet, in me, that is in my flesh, nothing good dwells. Je sais que le bien n'habite pas en moi. For to will is present with me. But how to perform what is good? I do not find. C'est-à-dire, dans ma nature propre, j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. For the good that I will to do, I do not do, but the evil I will not to do, that I practice. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Now, if I do what is if I do what I will not do, it is not longer I who do it, but sin that dwells in me. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. I will ask you to pay attention to this declaration. Je vais vous demander de faire attention
It is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Si je ne fais pas ce que je veux faire, or si je fais ce que je ne veux pas faire, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. I found then a law that evil is present with me. The one who wills to do good. For I delight in the law of God according to the inward man, but I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Je découvre donc cette loi, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui a ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Do you see this? Vous voyez cela? It was our condition, all human beings. Telle était notre condition. So to discover this, alors pour découvrir cela, God gave us the law. Dieu nous a donné la loi. He gave to Moses the law. Il a donné à Moïse and la loi. All Israel could never be able to fulfill the law. Et tout Israël n'était pas capable d'accomplir. They all had the situation of Paul. Ils avaient tous la situation de Paul. Willing to do good. Voulant faire du bien, but never being able to do that. Mais n'étant jamais capable de le faire. When they were trying to do good, quand ils essayaient de faire du bien, they found themselves doing bad. Ils se sont trouvés eux-mêmes dans le péché. So they discovered that the sin was in their flesh. Alors ils ont découvert que le péché était dans leur membre. They were a dwelling place of the sin. Dans leur membre demeurait le péché. So they could have a way to see what to do. Alors ils ne pouvaient pas voir comment faire autrement. This was our condition, all human beings. Telle était la condition de tout être humain. This is why Jesus came as a man. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu en tant qu'homme. Because he had to destroy in the flesh the power of the sin. Dans la chair, la puissance du péché. We are still in Romans. Nous sommes toujours dans Romains. Let us go to chapter 8. Nous allons aller dans le chapitre 8. From first verse. À partir du premier verset. There is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Qui ne vivent pas conformément à leur nature propre. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ, has made me free from the law of sin and death. M'a libéré de la loi du péché et de la mort. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, he condemned sin in the flesh. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché de la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. I'm talking to you about being in Christ. Je vous parle d'être en Christ. Being in Christ is giving us another nature. Être en Christ nous donne une autre nature. It is said here. Il est dit ici. To save us, to deliver us. De nous délivrer. God sent Jesus with the flesh like ours. Dieu a envoyé Jésus avec une chair comme la nôtre. And at the cross, et à la croix, God condemned
the sin in the flesh. He destroyed the sin in man's flesh. Dieu a condamné le péché dans la chair de l'homme. So by the resurrection of Jesus, alors par la résurrection de Jésus, all who we accepted him and accept what he did for them at the cross, toutes les personnes qui croiront en lui et croiront ce qu'il a fait à la croix, will receive from his death to be free of the sin in their flesh. Recevront la liberté par la mort de Christ et seront libres du péché. They will be able to say no. Ils seront capables de dire non. And able to follow Jesus. Et capables de suivre Jésus. If it could happen to them to sin, si ça pouvait leur arriver de pécher, they have possibility to receive forgiveness from God. Ils avaient la possibilité de recevoir le pardon. Because of what Jesus did at the cross. À cause de ce que Christ a fait à la croix. So by dying at the cross, alors en mourant à la for croix, us, pour nous, he destroyed all that the law was condemning us. Because of the sin. Il a détruit tout ce que la loi condamnait à cause du péché. The Father is seeing us through Jesus. Le Père nous voit au travers de Jésus. So if you come to God by yourself, si vous venez à Dieu par vous-même, you will have no way to please him. Vous n'aurez pas cette possibilité-là de le plaire. You need to come to God through Jesus. Vous devez venir à Dieu au travers de Jésus. And coming through Jesus is walking by faith. Et venir au travers de Jésus, c'est marcher par la foi. Deciding to accept by faith what God has given us. Décidons d'accepter par la foi ce que Dieu nous a donné. Amen. Amen. So when we come to the Father, alors quand nous venons au Père, he is not seeing us according to ourselves by your name as a human being. En fonction de nous-mêmes comme étant un être humain. He is seeing Jesus his son. Il voit Jésus son fils. He is seeing us through Jesus. Il nous voit au travers de Jésus. We appear before God is Jesus. Nous apparaissons devant Dieu comme Jésus. We are in the righteousness of Jesus. Nous sommes dans la justice de Dieu. Amen. Amen. Jesus is the cover we have before God. Jésus est la couverture que nous avons devant Dieu. Amen. Amen. So what we have to know is, alors ce que nous devons savoir, if you try, c'est que si vous to essayez God, de plaire by à Dieu your strength, par votre force, by things you can do, parce que vous pouvez faire, you will fail. Vous allez échouer. Because no one could parce please que personne God ne peut that plaire faith. À Dieu sans la foi. The way of pleasing God, la manière de plaire à Dieu, if, is by faith in Jesus. C'est par la foi en Jésus-Christ. This is why it is said. Voilà pourquoi il est dit. Not by sight. Pas par but la vue. By faith. Mais par la foi. Amen. Amen. Then, not by might. Pas par notre force. But by the Spirit. Mais par l'Esprit. To go by the Spirit. De marcher par l'Esprit. Is to believe what the Spirit is able to do in our place. Marcher par l'Esprit, c'est croire en ce que l'Esprit peut faire. We have no mind to do things to please God. Nous n'avons pas de force de faire des choses pour plaire à we Dieu. We can never pay God. Nous ne pouvons jamais payer Dieu. It was so great that we could not do this. C'était tellement grand que nous ne pouvons pas le faire. Jesus did it. Jésus l'a fait. He paid. So, to inherit that, we need to be in Jesus. Il l'a fait, non? Pour hériter cela, nous devons être en Christ. We need to accept Jesus. Nous avons besoin d'accepter Jésus. This? Vous voyez cela? Accepting Jesus. Accepter Jésus. By first recognize that we were sinners. En reconnaissant que nous étions pécheurs. And Jesus took
our place of sinners. Jésus a pris notre place de pécheurs. And gave us salvation. Et nous a donné le salut. The condition to receive that salvation. La condition pour recevoir ce salut. Is to recognize that we were sinners. Et de reconnaître que nous étions pécheurs. And to repent ourselves of our sin. Et de nous répandre de nos péchés. And to receive, asking Him to apply the salvation in our life. Et de le demander d'appliquer le salut dans nos vies. This is what all Christians, true Christians, we did. Voilà ce que tout chrétien doit faire. We asked Him to forgive us. Nous allons le demander de ne pas. We invited Him to get in our life. On l'a invité à demeurer dans and nos we vies. Accepted to walk by Him. Et ensuite nous acceptons de marcher in par all lui. All things walking by Him. Dans en toutes choses marcher the par first lui. Thing which brought us to Jesus was our condition of sinner. La première chose qui nous a ramené à Christ c'est notre condition. I'm saying this because of the wrong teachings which exist today. Je dis cela à cause des mauvaises prédications qui existent. Because today many ministries exist to manifest to people to come and receive deliverance, to come and receive chance or I don't know anything else. Parce que de nos jours, il y a plusieurs ministères qui invitent les chrétiens à venir recevoir la délivrance, des miracles et des chances ou je ne sais pas quoi. The first thing people have to come and receive. La première chose que le peuple devait venir recevoir, c'est le salut. And everything else are in the package of salvation. Et toutes les autres choses sont dans le paquet du salut. I can tell you that. Je peux vous le dire. The healing. Que la guérison. Is with the salvation. Vient avec le salut. Fulfilled at the cross. Accompli à la croix. Once you are saved. Une fois que vous êtes sauvé. You are then healed. Vous êtes donc guéri. What you need to do ce que vous devez faire is as you call your salvation to existence by accepting it. C'est de la même manière que vous appelez à l'existence your salvation, votre salut. You will also call to existence your healing. Vous devez également appeler votre by recognizing that Jesus fulfilled it at the cross. En reconnaissant que Jésus-Christ l'a by His stripes, His wounds, you were healed. Par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Amen. Amen. Let me show you something. Laissez-moi vous montrer quelque chose dans Galates. Galatians 3:1. Galates 3, from 1. À partir du verset 1. Oh foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth? Before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified. This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Are you so foolish? Having begun in the spirit, are you now being made perfect by the flesh? Have you suffered so many things in vain? If indeed it was in vain. Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? And this way could then explain qui vous a ensorcelé. De la même manière, ça peut aussi expliquer une présence qui vous a ensorcelé. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins, c'est pour rien. Amen. Amen. This is the problem with Galatians.
Voilà le problème avec Galates. And the apostle Paul is called them foolish. L'apôtre Paul les appelle fous. Who has bewitched you? Qui vous a rendu fou? You saw the gospel portraying Jesus before you. Vous avez reçu l'évangile. As a crucified one. Et vous avez vu Jésus-Christ. The gospel showed you Jesus crucified for you. Ça montre que Jésus-Christ a été crucifié. So you start to find all the solution outside of Jesus. Vous commencez à trouver toute autre solution en dehors. What happened to you? Qu'est-ce qui vous est arrivé? This is what is done today. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. They will teach you things to do. Ils vont vous enseigner comment faire certaines choses. Things to fulfill. Des choses à accomplir. Not things to believe. Pas des choses à croire. What you have to do is to believe. Ce que vous devez croire. Ce que vous devez in faire, what Jesus has done, has fulfilled at the cross. Ce qu'il a accompli à la croix. Amen. Amen. This why sometimes you are lazy, you don't know what to do, how to do, because we never understand what Jesus has done. Voilà pourquoi par moment nous sommes paresseux, nous ne savons pas comment faire les choses ou comment le faire. C'est à cause de ce qui s'est passé. If you expect si vous respectez, to be justified, si vous attendez à être justifié, by coming to the church, you are wrong. En venant à l'église, vous avez tort. But you come to the church because you are child of God. Mais vous venez à l'église parce que vous êtes and you love him. Et vous l'aimez. And you should serve him. Et vous devez le servir. This is why you are coming to the voilà church. Pourquoi vous venez à l'église. If you expect si vous attendez to be justified by giving tithe and offering, à être justifié en donnant you are wrong. Et les dîmes, but you will give your tithe and offering mais vous donnerez vos dîmes because vos you are saved. Parce que vous êtes sauvés. Because you belong to parce God. Que vous appartenez because à Dieu. You love God. Parce que vous aimez you Dieu. You would please God. Vous allez plaire à Dieu. By your faith. Par by belonging to Him. En l'appartenant. This is why you are doing that. Voilà thing. Ce que vous devez faire. If I can come here to teach you another things. Si je peux venir ici pour vous enseigner autre chose. It will be a lie. Ça sera un the gospel. Une autre évangile. There exists no other gospel. Il n'existe pas d'autre évangile. We have an only one gospel. Nous avions qu'une seule évangile. The gospel of our salvation. L'évangile du salut. Is founded in the manifestation of the grace of God. Elle se trouve dans la manifestation de he la gloire de Dieu. To save us. Il est venu afin de nous sauver. We are not following him to receive. Nous ne le suivons pas afin de recevoir. But we receive because it is in the packet. Mais nous recevons parce que c'est dans le paquet. Do you see this? Vous voyez cela. We are not coming to be healed. Nous ne venons pas afin we d'être are healed because it is in the packet. Nous sommes guéris parce que c'est dans we le are paquet. Blessed because it is on the packet. Nous sommes bénis parce que c'est the dans salvation le paquet. Is a packet. Le salut est un everything paquet. Are in the salvation. Tout se trouve dans le can salut. You hear this? Can tu you understand cela? This? Tu comprendre cela? The packet named salvation. Le paquet appelé salut. Was given to us. Nous a été donné. Through what Jesus did at the cross. Au travers de ce que Christ a fait à la so croix. So by receiving the salvation. Alors en recevant le salut. We are up to that in all things. Nous recevons donc toute autre chose. We are blessed. Nous sommes bénis. We are healed. Nous sommes guéris. We are delivered. Nous sommes délivrés. We are prospered. Nous sommes prospères. We have all things he has fulfilled at the cross. Nous avons nous avons tout ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Amen. Amen. So we have two ways of seeing ourselves. Alors nous avons deux manières de nous voir. This is why we are talking about the supernatural life. Voilà pourquoi nous parlons de la vie surnaturelle. We have two kinds of life. Nous avons deux sortes de vie. The first one, la première, is a physical human being. Est une vie physique en tant qu'être humain. We are aware of our existence as a man, a physical man. Nous savons que nous sommes
hommes, nous sommes hommes humains. We know our needs. Nous connaissons nos besoins. En tant qu'être humain, we can eat. Nous pouvons manger. We can eat some things, physical things. Nous pouvons manger des choses physiques. We can see. Nous pouvons voir. We can hear. Nous pouvons entendre. We can feel. Nous pouvons sentir. But we are not only this. Mais nous ne sommes pas. As a human being, en tant qu'être humain, we are limited. Nous sommes limités. What we are, ce que nous sommes, is only what we are seeing. C'est seulement ce que nous voyons. But this is not all we are. Mais ce n'est pas tout ce que nous sommes. We are then spiritual beings. Nous sommes également des êtres spirituels. As a spiritual being, en tant qu'être spirituel, we live by faith. To the word of God. Nous vivons par la foi au travers de la parole. We are what the word of God is saying we are. Nous sommes ce que la parole de Dieu dit que we are able to do what the word of God is saying we are. Nous sommes capables de faire ce que la parole de Dieu we dit que nous sommes capables what de faire. The word of God is saying we have. Nous sommes ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Brother and sister, mes frères et sœurs, in Adam we are flesh. Par Adam, nous sommes chair. In Christ, en Christ, we are spirit. Nous sommes esprit. And in Christ, as a spirit being, en Christ, en tant que être spirituel, in Colossians, dans Colossiens, you can see where we are. Vous pouvez voir où nous nous trouvons. Colossians. Colossiens, chapitre 3, from what? À partir du premier verset. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Si donc vous avez été ressuscité avec Christ, et cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Set your mind on things above. Attachez-vous aux réalités d'en haut. Not on things on the earth. Et non à celles qui sont sur la terre. For you died. En effet. And your life is hidden with Christ in God. Vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ. When Christ who is our life appears. Quand Christ notre vie apparaîtra, then you are so we appear with him in glory. Alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. While we are living on earth as a human being, nous vivons sur la terre en tant que être humain. We are also spirit beings. Nous sommes également des êtres spirituels. Spiritually seated in heaven, assis spirituellement dans les cieux, in the right hand of the Father with Jesus, à la droite du Père avec Christ, and there we have things, et là-bas nous avons, we have rights, nous avons des droits, we are called here, nous sommes appelés ici, as spiritual beings seated in heaven. Comme étant des êtres spirituels assis au ciel. To set our mind on things above. Afin de nous attacher aux réalités d'en haut. And not on things on earth. Et non à celles qui sont sur la terre. This means that. Cela signifie. While we are here. Que quand nous sommes ici. If according to physical reality of this world, en fonction des réalités physiques, we could find ourselves limited. Nous pouvons nous trouver limités. So we know that from heaven, where we are seated in this, nous savons que du ciel, là où nous sommes assis en the word of God is telling us that there we are not limited. La parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas limités. We are called to set our mind in things from above. Aussi, nous pensons aux choses d'en haut. Where we are limited? Là où nous sommes illimités. Because the doctor has said. Parce que le docteur a dit. Your condition could never
change. Que ta condition ne changera jamais. Your sickness have no solution. Et ta maladie n'a pas wherever in the world. Peu importe où dans la parole. Over the world. Sur le monde. I will set my mind. Je m'affectionnerai in things from above. Aux choses d'en haut. Because I know from parce above. Parce que je sais. All sickness. Que d'en haut toute maladie. Were destroyed. Ont été détruites. By his stripes, his wounds. Par ses meurtrissures. I have received healing. J'ai reçu la guérison. Not at the moment where I'm sick. Pas au moment où je suis malade. I'm always healed. J'ai toujours été guéri. From the death Jesus was at the cross, I was healed. Où Christ était à la croix. So what I have to do? Alors ce que je dois faire? Is to call that healing. C'est d'appeler cette guérison. To be manifested now. Afin de se manifester maintenant. Because it was already my healing. Parce que ça a déjà été manifesté à la croix. Amen. Amen. Myself. Moi-même. Who is talking to you today? Qui vous parle aujourd'hui? I can tell you. Je peux vous dire. I have met some circumstances. Que j'ai rencontré certaines circonstances. De la mort. I was condemned on my flesh. Without solution. J'étais condamné sans solution. If I live today. Si je vis aujourd'hui. It is because I decided to set my mind in things from above. C'est parce que j'ai décidé de mettre ma pensée to see who really I was in my spiritual life. Afin de voir qui j'étais réellement dans ma vie. And to call in this earth. Et d'appeler sur cette terre. The fulfilling of what I have already in Jesus from the cross. L'accomplissement de ce que j'ai déjà en Christ à la croix. And my life today. Et ma vie aujourd'hui. Each morning I wake up to my best by faith. Chaque matin je me lève par la foi. Because I know. Parce que je if sais. I'm living, it is by faith in Him. Que si je vis, c'est par la foi. The day I will decide to live. By my strength, le jour que je déciderai de vivre par ma force, je mourrai. Because the reality of my life, I am a dead man. Parce que la réalité de ma vie, dans la réalité de ma vie, je suis un homme mort. So I'm living by Christ. Alors je vis par Christ. This is what the Apostle Paul said to Galatians. Voilà ce que l'apôtre Paul a dit aux Galates. He said the life I'm living now. Il a dit la vie que je vis maintenant. It is by faith in the Son of God, who has loved me, qui m'a aimé, and gave me to be who I am. Et m'a donné à devenir ce que je suis. Amen. What I want us to know is in Christ, we are like Him. We have the same attributes with Him. We have the same possibility with Him. Anything which belongs to Him belongs also to us. M'appartient également. To one condition. En une condition. Being faithful in Him. Être fidèle à lui. Amen. Amen. Following Him. En le suivant. Accepting what His word is saying to us. En acceptant ce que sa parole nous dit. Let me read with you. Laissez-moi lire avec vous. In 2 Corinthians, you know it. Dans 2 Corinthiens, vous connaissez le passage. Chapter 5, verse 17. Chapitre 5, verset 17. Let's I will read this. 2 Corinthians 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Therefore, if anyone
is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. What are all things? Quelles sont toutes les choses? All. Ces choses. All things. Les choses yes. anciennes. Yeah. Quelles sont ces choses anciennes? That old things. Quelles sont ces choses anciennes? Everything we were by our fleshly life. Tout ce que nous étions par notre vie charnelle. Weak in this, faible weak in that, ceci, faible unable cela, to receive this, unable to fulfill this. Ceci, all the things ces belong to our history. Appartient à notre it is said here. Il est dit ici, all that old things have passed away. Que toutes choses anciennes sont passées. So all things have become new. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. In the same situation. Dans la même situation. The same condition. La même condition. Where we were weak. Là où nous étions where we were unable to do. Unable là où nous étions of, capables de faire. We have become in him. Nous sommes devenus new creation. Une nouvelle créature. Because of our life from heaven. À cause de notre where vie we are seated with Jesus. Là où nous sommes assis at the right hand of the Father. À la droite du Père. We need to nous avons besoin believe, de croire, to accept in our mind and our heart et dans notre cœur who God says we are. Qui Dieu a dit que nous sommes. The first thing we have to know la première chose que nous devons is that we have come to Jesus to be saved. C'est que nous sommes venus en Christ and pour not être to sauvés. Receive a solution in this situation, non pas pour recevoir une this part of problem, dans ce problème, but to receive all the package. Mais pour recevoir and the package is the salvation. Tout le paquet et le paquet in that salvation we have healing. Dans ce salut, we have forgiveness. We have prosperity. La prospérité. We have deliverance. Nous avons la délivrance. We have to be strong. Nous devons être, nous devons all in the packet. Tout se trouve dans le paquet. So the gospel which is preached today. Alors la nouvelle, l'évangile qui est just praying for the healing or praying for deliverance without connecting people to the Lord. Myself, I show you. Moi-même, je l'ai vu. A person saying that he is serving God. Une personne qui dit qu'il sert Dieu. What he has to do? Ce qu'il doit faire. Is that to receive people? C'est de recevoir. There are many coming to receive things. Il y en a plusieurs qui viennent pour recevoir. It is not different. Ce n'est pas différent. With the one who is going to the witch. De celui qui va chez un who is to go to the magician. Celui qui va chez un magicien. To receive something to have quelque chose. Our job. Notre travail. Is not of this. Ce n'est pas. The healing only Jesus la guérison is the solution for it. Il n'y a que Jésus-Christ qui as we have to connect people to Jesus. Nous devons connecter le peuple à Jésus. Once connected to Jesus, à Jésus, they are allowed to receive from Jesus everything they need. Ils peuvent maintenant recevoir de Jésus. But the first thing they have to do is not to come for receiving. To be aware of the life of sin. C'est plutôt de connaître leur vie de péché. To be convinced of being sinners. D'être convaincu du péché. And to repent themselves. Et de se repentir. And to
receive Jesus into their life, et de recevoir Jésus-Christ dans so they will receive with the salvation all the beggars. Afin de recevoir avec le salut le pécheur. Amen. Amen. We are as in Christ, new creation. Nous sommes donc en Christ des nouvelles créatures. I tell you that. Je vous le dis. It is not fulfilled today. Ça n'a pas été accompli aujourd'hui. Everything you have in Jesus, tout ce que nous avons en Christ, was done, était fait at the cross, à la croix. All the things belong to you. Toutes ces choses vous appartiennent. But you did not know. Mais nous ne savions pas. Once you discover in the word of God, une fois que nous avons découvert dans la parole de Dieu, you have to confess that things is yours. Nous devons confesser que ces choses nous appartiennent. All were given to us. Toute chose nous a été donnée. It is said, let us see this in Colossians. Il est dit dans Colossiens. I'm going to end. Je vais vers Colossians chapter 2. Colossiens 2. We read verse 10. Nous allons lire le dixième verset. And you are complete in him who is the head of all principality and power. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. You are complete even you don't know. Vous êtes complet. Something you have in him, you are complete. It is said même by si God. Vous ne savez pas ce que vous êtes en lui, vous êtes in him you have all things new. En lui, all old things passing away. Toutes les choses anciennes sont passées. You have to change the way of seeing things. Vous devez changer votre façon de voir les choses. You will start to confess who you are, what you have. Vous allez commencer à confesser qui vous êtes, ce que you vous will avez. Have to call to existence things you already have in him. Vous devez appeler à l'existence les from choses the moment he died at the cross. À partir de l'instant où you have that all things. Vous avez eu toutes ces choses. Amen. Amen. So you need to know. Alors vous devez savoir. Adam is the cause. Qu'Adam and est Jesus la cause. Is the solution. Et Jésus est la solution. Amen. Amen. In Adam. Par Adam. We were cursed. Nous avions été maudits. And in Jesus. Et en Jésus-Christ. The solution is blessings. La solution we c'est are la blessed. Nous sommes bénis. Adam is the cause. Adam est la malédiction. Jesus is the solution. Jésus-Christ est la solution. So if you continue to fight by your strength, alors si vous continuez à combattre, you are manifesting that you still are in Adam. Vous manifestez que vous êtes toujours dans Adam. So in Adam is cursed. En Adam se trouve la malédiction. You will never change your life as an Adam. Vous ne changerez jamais votre vie en tant qu'un you Adam. Need to become Jesus. Vous devez devenir Jésus. In Jesus, you have the solution. En Jésus, vous avez la solution. This is why. Voilà pourquoi. The teaching is to help us to know him. L'enseignement nous permet deeply à knowing him à le connaître and knowing ourselves in him. Et le connaître en lui. Amen. Amen. This is what we are doing each day. Voilà ce que nous faisons tous les jours. Even we could talk about blessings we have in him, même si nous pouvons parler des bénédictions, we need to know we have that blessings as a children. Nous devons savoir que nous avons ces bénédictions en tant que by faith in him. Par la foi en lui. Not because of anything we have done. Pas à cause de ce que nous avions fait. We could never pay God to be blessed. Nous ne pouvons jamais payer Dieu afin to be healed. Ou d'être guéri. To be delivered. Ou d'être délivré. Your offering. Votre you died. All you body you can do. That things are because you love God. Toutes ces choses que vous pouvez faire, c'est parce que because vous of your relationship with God. À cause de votre relation avec your zeal for him votre is because of your heart. What you receive in your spirit. Vous avez reçu dans votre esprit. This is why you are doing this. Voilà pourquoi vous faites cela. And God will be favorable to us according to how we love him.
Et Dieu sera favorable à nous en fonction de nos mots. This is what I had to share with us tonight. Voici ce que je devais partager avec nous ce soir. Talking about being in Christ. Parler d'être en Christ. I have started to show the contrary of things which are done or preached by men. J'ai commencé à voir le contraire de ce que les gens font. We need to know why the gospel and what is the gospel. Nous devons savoir pourquoi l'évangile et qu'est-ce qui est l'évangile. Which is concerning Jesus. L'évangile qui concerne Jésus. Born physically as a seed of David. Naître physiquement comme étant la semence de David. Manifested by rising from death as a son of God. Mais manifesté la résurrection comme étant. This is what we are so we are. Voilà pourquoi nous sommes ce que physically, nous sommes. As descendants of Adam, physiquement comme étant la descendance d'Adam, maudit en Adam, changed by the resurrection of Jesus, changé from la his death at the cross, parce qu'il a fait la croix, we were killed as Adam, nous avions été, we live today as Christ, tué et nous vivons so Christ. We have the solution. Which is Christ. Nous avons maintenant la solution qui est Christ. We are alive. Nous sommes en vie. In the heavenly realm. Dans les lieux célestes. Where we are seated with Christ. Là où nous sommes assis avec we Christ. We are not limited. Nous ne sommes pas limités. If we were limited in this life. Si nous étions limités dans cette vie. By living today. Oh. As we are not limited, en vivant aujourd'hui, nous ne sommes where in this life we could not go through, ce qui ne peut pas être possible dans we are able to do it as a spiritual being. Nous sommes capables de le faire en tant qu'être spirituel en Jésus. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse.